home. No home? Yeah, there's no sun anymore. The sun left. Huh? The sun left. It's a bone drink. Good. Thanks. Il y avait un gros soleil tantôt. Je suis venu le matin, puis là, quand j'ai claimé, le sun was only there. Mm. Only there. Je vais prendre une jaquette. Non. Ça va aller aussi? Ouais. Comme ça. Merci. I'm gonna put your socks on, Kev. Okay? I'm cold. Okay? Mm-hmm. I'm gonna put your socks on. Mm. C'est gros quand même. Ouais, ouais. J'ai le mot tant mieux de toasted bread. Toasted. This is that. Moi, c'est pas tant mal, c'est là. Il y a beaucoup de pain. Ça m'intrigue, là, ce que tu veux nous dire. Quoi? Ça m'intrigue, ce que tu veux nous dire. À vous deux? Mm-hmm. Je suis dans le même. Ça, c'est hier. Ça veut dire quoi, cette face-là? Ça m'énerve. Hum? J'ai dit, ça veut dire quoi, cette face-là? Ça m'énerve. Ça veut dire, tu verras. Je sais plus. Tu peux me donner un indice. C'est à propos du jeu. Ok. Gros, gros, gros cintré. Juste mettre quelques trucs au clair, c'est tout. Ok. Parce que j'ai l'impression. J'ai l'impression que tu serais prête à faire des trucs pour lui qu'il ne serait pas prêt à faire pour toi dans ce jeu, dans le contexte du jeu. Tu penses? En tout cas, je vais vous dire à vous deux parce que j'ai pas envie que ce truc, c'est rien par rapport à vous deux en tant que whatever. Là, par rapport à ça, c'est plus par rapport au fait que je pense pas que. Je pense que tu fais ce qui est avantageux pour lui, pas pour toi.
je pense qu'il est au lycée. Il n'est pas stupide, non. Avoir une discussion saine. Puis je vais dire que malheureusement je n'aime pas beaucoup, mais que je voterai pour lui. Pour le garder. Pour le garder. Puis, en tout cas, même si tu parles à ta reine et son copain depuis le début, avant même les nominations, c'était comme s'ils sont sur le bloc. C'est mieux que Brigitte parle. J'ai toujours poussé Brigitte. Je n'ai jamais poussé lui, même si je l'aime pas. Même si je l'aime vraiment pas. On dirait que t'as une haine présentement. Hein? On dirait que t'as une haine présentement. Ah, oui, ouais, parce que c'est pas nice. Parce que si... Mais tu te soutes pas tantôt, c'est... Non, si Brigitte était dans le jeu, disons, puis que c'était toi puis moi, est-ce que tu penses que c'est vrai? Brigitte est dans le jeu, quelqu'un d'autre est chef indien. C'est toi et moi sur le. Est-ce que il te sauverait? Je ne sais pas. Ben, il me sauverait si genre, il savait que je pourrais l'aider. Ben... Tu sais pourquoi il ne sauverait pas? Parce qu'il aurait la même pensée que moi en ce moment, dans le sens où te sauver, ça montrerait ses cartes à lui, ça montrerait qu'il est proche d'une personne. C'est la même raison pour laquelle Brigitte, au début, n'a pas sauvé le copain de Larousse. Parce qu'il ne voulait pas montrer ses cartes dès le début. Puis il voulait parler aux gens, puis convaincre les gens de... voter d'une certaine façon. Comme j'ai pas envie de le dire juste à toi, parce que j'ai pas envie que ça t'influence, je veux que tu vois ses réactions aussi quand ça sort. Parce que je veux que tu vois s'il est sincère ou pas. Si c'était moi, toi, sur le truc, j'ai envie de dire à 90% qu'il te sauverait pas parce que c'est pas parce qu'il t'aime pas, ça n'a pas rapport. Mm-hmm. C'est parce qu'il aurait la conviction qu'il sera en mesure de convaincre les gens de te sauver avec des votes. De cette façon-là, il a respecté ce que le chef indien voulait et donc il s'est pas mis dans la merde et il t'a quand même gardé. Parce qu'il pense au jeu, il pense pas nécessairement à l'amour qu'il a pour toi.
please fix your microphone. Sorry. Puis encore, comme j'ai vraiment, je trouve que j'ai vraiment été honnête avec toi. Je pense pas t'avoir menti. Je pense pas t'avoir essayé de te déjouer. Puis je pense effectivement que j'ai essayé de te protéger puis de te faire voir les choses d'une façon stratégique puis d'une façon comme jeu. Puis côté jeu, toi qui l'utilises, sincèrement, tu peux l'utiliser. Sincèrement. Mais côté jeu, toi qui l'utilises, c'est comme dire à la reine puis à son copain, je m'en fous de ce que vous voulez en tant que chef indien. Je respecte pas votre décision. Donc, eux sont fâchés. Puis là, tu dis, tout le monde n'a déjà pas confiance en toi ou peu oui, importe. Oui, mais sans le doute que je pourrais peut-être l'utiliser parce que c'est lui. Non, je comprends. C'est ça, si je l'utilisais genre, sur le groupe, elle serait genre, ouais. C'est quoi, je comprends, mais... Toi, quand c'était ton... T'étais chef indien. Mm-hmm. T'as dit, ma cible, c'est le gros. Mm-hmm. Qui t'a respecté? Ouais, ils m'ont respecté. Ils t'ont respecté? Mm-hmm. Ils ont enlevé le gros? Ah, tu veux dire... Toi, quand t'es chef indien, t'as dit, ma cible, c'est le pensais... gros. Ouais, non, ils m'ont pas respecté. Ils t'ont pas respecté. Ah, non, excuse, c'est vrai. J'ai voté pour garder Emily. Hein? C'était 8-1, le vote. Ils ont tous voté pour sortir, Émilie. C'est toi qui as donné son vote? Ouais. Ah, ouais. Puis ils l'ont tous dit, puis ça inclut ton petit amoureux, ils l'ont tous dit, oui, on va te garder, oui, on va te garder, oui, on va te garder. Elle savait pas qu'elle partait. Quand toi, t'étais chef indien, personne t'a respecté. Alors que j'ai l'impression qu'en tant que chef indien, tu voudrais qu'on respecte tes décisions. Mm-hmm. Là, en ce moment... Puis encore, je te dis, tu peux l'utiliser parce que maintenant, je pense vraiment pas qu'ils vont... Avant, j'étais pas sûre, mais maintenant, je pense vraiment pas qu'ils vont l'utiliser sur moi, qu'ils vont me mettre. Et puis je comprends totalement que dans ton point de vue, t'es comme, OK, ils vont pas mettre elle, fait que c'est correct si j'utilise. Mais toi, en tant que jeu, en tant que William, toi qui utilises, ça, t'es en train de dire à tout le monde que lui a une influence sur toi, que t'as une influence sur lui, puis que vous travaillez ensemble, que vous êtes plus proche que ce que l'on pense que vous êtes. Mm-hmm. Puis t'es en train de montrer à tout le monde que tu veux pas nécessairement, t'as pas nécessairement respecté la décision du chef indien puis de sa copine, ça fait deux personnes. Puis le remplaçant aussi va se dire, OK, c'est à cause de telle personne que moi je suis là en ce moment. Puis t'es en train de te dire, oh, les gens ont pas confiance en moi. Mais ils auront encore moins confiance en toi, sachant que ça c'est ton numéro un. Mais ça sera pas mon numéro un. Non, mais si tu le fais, c'est ça que ça veut dire. Parce que la semaine prochaine, quelqu'un d'autre gagne le chef indien, puis ils vont après des duos. Ça peut nécessairement être, oh, OK, elle est associée à lui. Ça peut être, oh, OK, eux, ils sont associés ensemble. Tu viens de le sauver. Oui. Puis j'ai l'impression, je sais que peut-être qu'il y a beaucoup d'informations, je comprends que t'es confus et tout, mais j'ai l'impression que t'es en train de peser des pour et des contre sur un... comme, c'est normal que tu pèses des pour et des contre, mais... Je ne t'ai jamais menti. Non, je sais. Je ne t'ai jamais menti. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, ça a toujours été pour essayer de faire en sorte qu'on aille le plus loin possible. C'est tout ce que je veux, qu'on aille le plus loin possible. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression que cette personne-là t'a menti. OK, parce qu'elle ne pouvait pas te faire confiance, mais encore et encore et encore, elle te ment. Puis t'es quand même comme, OK, non, c'est correct, c'est peut-être parce que ça. Puis par ses actions, la personne te ment, puis tu continues à genre... Mais quand elle m'a menti? Cette personne-là? Oui. Mais plusieurs fois, au travers du jeu, plusieurs fois. Oui, mais dernièrement. Ben, on verra, on va poser des questions tantôt ensemble, puis on verra. C'est quoi les réponses? Je sais que c'est beaucoup d'informations, puis je sais que c'est stressant, puis je sais que tu te dis que tu veux pas jouer les gens, puis blablabla, mais en même temps, on est dans un jeu, c'est comme... Puis si t'étais sur le truc avec moi, j'ai vraiment pas l'impression qu'il te sauverait. Il vendrait sa mère, là, pour gagner ce jeu. Genre, il veut gagner ce jeu. Puis toi, tu le vois comme, ah, oh, il est super gentil, blablabla. Je dis pas qu'il est pas gentil, je dis pas qu'il t'aime pas, c'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'il est très capable de faire le côté stratégique, puis le côté « j'aime bien ce gars-là ». Mmh. J'ai pas l'impression que toi t'es capable de faire ça, malheureusement. Mmh. C'est juste ça. Puis tu peux
peux l'utiliser, là, c'est ton truc, mais c'est juste que moi, j'ai de la difficulté à essayer de... J'ai la difficulté à essayer de dire aux gens, non, tu sais, je suis avec lui, il est correct, il est blablabla. Puis là, moi, j'ai l'air de mentir. Puis là, moi, j'ai l'air de quelqu'un qui est en train d'essayer de faire des mouvements croches ou de faire whatever. Puis ça foire mon jeu aussi en même temps, là. Puis de tout ce que tu m'as dit, tu sais, la reine, là, elle a jamais su que tu étais fâchée supposément contre elle. Quand elle m'a demandé pourquoi il est comme ça, je suis comme, sûrement qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec lui ou comme, je sais pas trop, il me parle pas vraiment. Comment que j'étais comment, genre? Quand t'étais genre fâchée contre elle, vous deux, vous aviez comme des faces de bœuf, là. Mm-hmm. Elle m'a demandé, elle était comme, qu'est-ce qu'il lance? Ça fait quelques jours qu'il est comme ça et tout, il me parle plus et tout. Est-ce qu'il est fâché contre moi? Genre, c'est quoi ça? Mais là, qu'est-ce que tu me fais des faces de bœuf? Je suis supposé te sourire. Mais moi, je lui ai pas dit, c'est parce que tu lui fais des faces de bœuf, elle aurait été super fâchée. Puis j'ai pas nécessairement envie qu'elle se fâche parce qu'elle a de l'influence. Ouais, mais. Tu me fais des faces de bœuf, je suis supposé de pas m'en rendre compte puis de sourire, voyons. Si tu fasses des faces de bœuf, je vais te faire des faces de bœuf. Mais William, on est dans un jeu. Elle fait des faces de bœuf, puis elle me demande pourquoi il était fâché. Je vais pas lui dire, ah, parce que tu lui fais des faces de bœuf. Je vais pas la fâcher. Elle est en mesure d'avoir de l'influence sur d'autres personnes. Je vais chiller avec elle parce qu'elle est en mesure d'avoir de l'influence sur d'autres personnes jusqu'à temps que je puisse la décalisser. Il y a personne qui le savait, à part peut-être toi, puis le gros, puis... Genre, je donne pas tes informations dehors, là. Puis toi, tu slips parce que tu penses que tu peux faire confiance à lui. Puis après ça, lui, il utilise ce que tu dis contre moi. Puis là, c'est moi qui ai l'air d'une menteuse, puis whatever. Je vais toujours être une plus grosse cible que toi, là. Je dis pas que je veux pas l'aide, mais je veux juste, comme... Tu sais, je suis toujours une plus grosse cible. C'est toujours genre, ah, elle, sûrement qu'elle a menti, sûrement qu'elle fait des stratégies pour whatever. Je l'aime pas, là, mais oui, je le garderais... comparativement à Brigitte, sans même que tu me le dises, je l'aurais gardé comparativement à Brigitte. Mm-hmm. Ça a toujours été ça. J'ai toujours dit que je veux que Brigitte parte. Je dis pas que je veux pas qu'il parte, parce que, en toute sincérité, je veux que tout le monde parte. Mm-hmm. Mais on sait jamais. Là. J'ai pas confiance en aucun des deux, mais j'ai plus confiance en lui qu'en Brigitte, parce que Brigitte a comme des manies de manipulateur, autant que ta reine a des manies manipulateurs. Manipulatrice. Je sais pas, je sais que c'est beaucoup d'informations, puis t'es stressée, puis voilà, vu. Sincèrement, comme, je veux pas te forcer, j'ai pas envie de... Je veux pas te forcer, mais en même temps, je te dis que si jamais tu l'utilises, je suis convaincue que c'est pas nécessairement bon pour ton jeu, sachant que je serai en mesure, puis je comprends peut-être que t'as pas confiance en moi autant que moi j'ai confiance en mes propres habilités, mais sachant que je serai en mesure de convaincre ta reine, son copain, le gros, la rousse, de voter pour garder comparativement à Brigitte. Je le sais. J'ai les arguments. Je le sais. Puis ce vote, ça va être ta reine, toi, moi. Ça fait déjà trois. Puis le copain, ta reine peut diviser s'il doit être divisé, mais je pense que je peux convaincre le gros, puis la rose. Mais c'était pas confiance en mes habilités de diva. C'est correct. Mais puis c'est pas une menace là, c'est comme ça, c'est la vérité. Non, je sais, pas une menace. Toi qui l'utilise, ça te met plus dans la merde que tu penses. C'est ça que j'ai l'impression que t'es pas en train de réaliser. Ça te met plus dans la merde que tu penses. Puis ça me met... Tu sais, disons que là, t'es comme protégé parce qu'il y a moi, puis il y a d'autres cibles. Ça te met à découvrir un peu plus que tu penses, je pense. Non, je sais. Fait que c'est ta décision. Tu sais, comme... Faudrait voir, là. Si lui, t'es dans ta position, la dernière fois, il t'avait dit c'est mieux pour mon jeu. T'sais, il avait dit qu'il me comprend pour mon jeu, c'est mieux de la défuser, blablabla. Essaye de voir qu'est-ce qu'il pense pour ton jeu. Si c'était à ta place, comme, sincèrement, pour ton jeu, est-ce que c'est une bonne idée pour lui de l'utiliser? C'est quoi les genres de promesses qu'il ferait, genre? Genre, OK, tu l'utilises, puis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ton avantage dans ce jeu en ce moment, c'est que t'as lui, puis t'as moi, ça te fait déjà deux tout le temps. Ben, tout le temps. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, surtout si Brigitte est pas là, ça te fait deux personnes qui sont toujours avec toi. Tu veux pas nécessairement perdre ces personnes-là.
parce que ça, ça te fait perdre des nombres. Si t'es sur le truc avec quelqu'un d'autre, tu sais, si c'est pas moi ou lui, tu sais que t'es toujours deux. Puis on est de moins en moins à voter. Cette semaine, là, il faut juste trois. Mais il faut quatre. Mais s'il y en a trois, puis le chef indien décide, c'est fini. La semaine prochaine, il en faudra trois encore. T'en auras deux sur trois. Mm. Même chose après, après, après. Comme, réfléchis aussi à ça. Pense pas juste, ah, oh, je veux le sauver parce que je peux le sauver. Comme, faut être stratégique aussi. Faut essayer d'être un peu smart là-dedans. Brigitte, là, il va aller mettre des deals à tout le monde s'il reste. Il va aller... parce qu'il y a des bonnes connexions, justement. Alors, il est plus dangereux que lui. Si Brigitte reste, il va aller faire des deals avec tout le monde. Puis les gens vont le croire parce qu'il est un père, puis il est gentil, puis il fait pitié, puis blablabla. Ouais. Puis ça, c'est plus dangereux qu'un gars comme lui, qu'on n'arrive pas vraiment à savoir où il est, mais qu'on sait que ça va être une cible. Mm-hmm. Puis oui, c'est dommage que ce soit une cible, mais la semaine prochaine, ce que toi, tu veux pas, c'est que la semaine prochaine, ce soit lui et toi sur le truc. Ça, c'est ce que tu veux pas. Ouais. C'est clair que je pousse Brigitte. Brigitte vient après nous deux. Brigitte, il reste là. Ça va être moi puis toi qui vont être là sur le truc. Est-ce que tu penses vraiment que je veux garder Brigitte? Non, je sais. Non, je sais ça. En même temps, je comprends, tu sais, je comprends qu'il puisse être déçu, je comprends, je comprends. Je comprends que malgré le jeu, peut-être c'est comme émotionnel aussi, je comprends tout à fait, mais peut-être je suis trop en train de penser jeu, mais en même temps, je me dis, genre, il faut qu'on joue, tu sais, c'est ça le jeu aussi. Hein. Je comprends que c'est émotionnel, je comprends que peut-être qu'il va être déçu et tout, mais je trouve que tu peux avoir un levier par rapport à ça en lui disant, check, comme... Je vais pas l'utiliser, mais je vais pouvoir avoir les votes pour te garder. En tout cas. Mais la reine, elle veut pas... Supposons que la reine, elle te met, genre, puis qu'elle veut ses... Lui qui veut qu'il parte. Ça va être toi, moi, le gros, la rousse. Qui va voter pour le garder, lui. Ouais. Tu vas convaincre le gros puis la rousse. Ouais. Je sais que t'as pas confiance en mes habiletés, mais j'ai vraiment confiance en mes habiletés. Genre, la rousse, elle... Ils ont plus de connexion avec le... Brigitte. Mais justement, si eux, ils veulent être protégés, il faut qu'il y ait des plus grosses cibles dans le jeu. Lui, c'est une plus grosse cible que Brigitte, parce que justement, Brigitte a plus de connexions. Brigitte va aller loin. Brigitte, il va être gentil, là, il va être tout doux, il va dire, OK, regarde, toi et moi en finale. Puis tu vas le croire, là. Je sais pas. Si Brigitte reste, puis quelqu'un gagne le chef indien, je pense pas qu'il remettrait Brigitte. Alors que si lui, il reste, puis quelqu'un gagne le chef indien, il le remettrait lui. Ça, ça protège d'autres personnes. Je dis pas que tout le monde ferait ça, mais c'est comme ça que le jeu fonctionne aussi. Non, c'est vrai que ça protège des gens. D'avoir une plus grosse cible, ça protège des gens. OK, j'avoue, je veux aussi que Brigitte part parce qu'il était septième dans sa saison, puis là, ça ferait qu'il serait septième maintenant. J'avoue, mais... Non, il serait neuvième. Il serait septième. Non, il reste neuf personnes, Jay. Mais Neda est neuvième dans le jury. Cindy est huitième. Jay, wake up, on est neuf. Comment veux-tu finir septième quand il reste encore neuf personnes? Parce qu'il y en a deux qui vont en finale. Ils vont être en puis deuxième. Check. Neda est neuvième dans le jury. Il y a neuf personnes dans le jury. Oui. Neda est 9e. Oui, elle est la 9e personne du jury. C'est ça. Mais elle a fini 11e. Quand il dit qu'il finit 7e, c'est parce qu'il était la 5e personne du jury. Non, je pense pas. Ben oui, Dre, tu finis pas genre la position du jury. Sinon, ceux qui sont dans le prix jury, c'est quoi? Ils disent, je suis genre zéro position. Ouais, ça compte pas, eux.
Mais non, Dre. Mais oui, ça compte pas. Mais non, Dre, c'est pas ça qu'il veut dire. Quand lui, il dit qu'il a fini 9e, c'est que genre, il est parti. Il a fini 9e sur 16. C'est ça qu'il veut le dire. C'est impossible qu'il parte 9e sur 16. Ça voudrait dire qu'il serait même pas dans le jury. Mais non, Dre, ça marche pas ton affaire. Mais oui, ça marche. Il y a 9 personnes dans le jury. Tu rajoutes 2 personnes en haut qui restent dans la maison. Neda finit 11e en tout. OK, mais Brice, il a dit qu'il est parti 7e. C'est ça. Il a fini 7e. Il y avait déjà... Dans le jury, il y avait déjà... GP, il y avait déjà la défileuse, il y avait déjà... le roux, là, qui était, je pense que c'était Bobby. Après ça, il y avait lui. Après ça, il y avait Willow. Puis après ça, il y avait lui. Il y avait déjà plein de monde avant, genre. Il n'a pas fini 7e. Bon, c'est quand même mon argument que je vais utiliser. Puis si les gens réalisent, ça va être tout bad. Ah, mais là, c'est grave. C'est... Je pensais qu'il voulait dire 7e, genre 2 personnes, puis il était 7e. Ouais, il y avait plein de monde avant lui. Il a fini 7e sur 16. Pour ça, il y avait 6, 5, 4, 3. 2, qui était le gars, je ne me rappelle plus de son nom, Godfrey. Mm. Geoffroy Arc. Puis Sarah qui a gagné. Whoops. Bon, peut-être que les deux devraient rester dans le fond. Ouais. Hein? Finir troisième, je pense, c'est la position la plus plate. L'expérience, pas le jury, mais t'es dedans, genre. Ouais. T'es genre. Je gagne pas une crise de scène. Je suis dans le jury sans l'avoir expérimenté, parce que je suis pas allé dans la maison. Mm. Je serais de même. J'ai mal au ventre. Ouais? J'ai mal au ventre. C'est vrai qu'il y avait plein de monde. Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Hein? Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? De? Qu'il y avait d'autres mondes avant lui. Je sais pas, quand t'as dit ça, que sa position, c'est la position du jury, je suis genre non. Ça n'a pas rapport. Cindy disait qu'elle était 15e, mais Richard était 16e, après ça, 15e, c'était Cindy, mais qui est devenue. Mm. Elle était pas 15e finalement, puis qu'elle est revenue. Elle est devenue genre 10e ou 9e, vu qu'elle était juste après son copain. Ouais, elle finit 9e. Bon, whoops. Non. Non, elle finit 11e. Elle finit 11e. Bon, raison de plus, il est allé plus loin. Fait que raison de plus pour qu'il parte avant. C'est ça. Mais je suis vraiment pas sûr que tu peux convaincre ce monde-là, pour vrai. Pourquoi? Genre, le gros, il va être genre... Je vais regarder quelqu'un qui va rester avec William. Puis la rouge, genre... Non, j'ai déjà parlé au gros, puis non. T'as pas confiance en moi, William. T'as pas confiance en moi. Il va falloir que tu m'en dises plus, sauf que de même, je suis genre... Mm. T'en dises plus comment? Ben là, genre, pourquoi tu fais tant confiance au gros que... J'ai pas confiance au gros, mais il me fait confiance à moi. Mais je peux pas croire qu'il va... C'est comme tu vois. Moi, je te dis que oui, après, c'est à toi de voir si t'as confiance en moi ou pas. Ben là, Joey, c'est pas que j'ai pas confiance en toi, c'est que genre, je... Même si, genre, oui, j'ai confiance en toi, mais tu le réussis pas, je vais être genre... Ouais. OK, si je réussis pas... C'est au bout de la ligne, j'ai juste à dire...
viens de dessiner, puis on est correct. Non, vraiment pas, on n'est pas correct. C'est toi, tu penses que c'est ça, parce que tu t'en fous, genre, ça te dérange pas, mais c'est pas ça, mais ça non, va mais pas c'est être pas ça. Que je veux dire. Au bout de la ligne, Brice va partir quand même, c'est ça, au bout de la ligne. Au bout de la ligne, tu te mettrais moins dans la merde en ne l'utilisant pas. Puis c'est Brigitte qui a convaincu le gros d'être dans une alliance avec lui, puis c'est Brigitte qui lui a fait le plus de mal. C'est vrai qu'il aime pas ton copain là. Moi non plus, j'aime pas ton copain, mais je garderai ton copain comparativement à Brigitte. Ton copain qui, en passant, sa cible, c'est la vieille et moi, en passant. Fait que des deux, là, je suis dans leur cible, les deux qui sont là en ce moment. Fait que si tu penses que je pousserais pas pour que Brigitte parte, sachant que Brigitte, je suis presque convaincue qu'il me mettrait, puis je sais qu'il est plus dangereux parce que, justement, il a les habiletés de bien parler puis de manipuler, blablabla. Puis si tu penses que tu te mets moins dans la merde en l'utilisant, si tu penses que c'est juste comme au bout de la ligne que tu l'utilises, alors fais-le. Mais je te donne les perspectives du jeu. Le faire, c'est dire à tout le monde, j'ai pas respecté la décision du chef indien. À cause de moi, un remplaçant doit être sur le truc. Puis je suis vraiment proche de mon copain. C'est ça que t'es en train de dire aux gens. Puis quand il y aura une cible à décider, si c'est pas toi ou lui qui gagnait, c'est très facile de mettre un duo. Toi, moi, toi, lui. Ça, c'est des duos. Puis je sais que tu penses vraiment que les gens vont te préférer à lui, je comprends totalement. Mais comme je viens de te dire, t'as besoin de gros cibles dans le jeu aussi. Tu peux pas juste avoir des gens qui sont vraiment gentils puis vraiment fins. Puis en même temps, t'as gagné des compétitions. Fait que si ça vient entre toi et lui, quelqu'un comme ta reine puis son copain qui sont des gros cibles vont vouloir garder lui parce qu'il est une grosse cible, sachant que la semaine d'après, quelqu'un d'autre va le remettre lui sur le truc et ça va pas être eux. Les gens, ils pensent comme ça, là. Puis oui, t'es gentil, je dis pas que... C'est des possibilités, je dis pas que c'est ça qui va arriver, mais c'est une possibilité. Autant que maintenant, je dis qu'il y a une plus grosse cible, selon moi, que Brigitte, puis c'est mieux de le garder lui, parce que je sais que, justement, lui étant là, puis ayant des gens qui sont fâchés contre lui, ça me protège moi. Puis il est très au courant de ça aussi, là. Fait que si c'est... Oh, gosh, you got, like, a big thing on your... Oh, God. If you do the DR like that, Kev, that's gonna be... Look your face. Uh-oh. Oh, you guys are over here. I want to enjoy some fresh air. Look at this one. Sorry. Look at the rat scratches on your legs or the bunny, whatever it is. It's the rat. It's, oh! It's disgusting. Ugh. You guys were one with the rats yesterday, I'm just saying. Ew. Oh. It was nice before, now it's a little cold. Yeah, you guys told me it was nice. Yeah. Nice. Are there any more blankets in here? I think there's more. Are you going inside, Kev? Yeah, work. Oh, work. Oh, is Kev right here? Yeah, he's leaving. Work. Oh, I was just lying down. Oh, you go to work like that? Tell them the rat scratched you. Yeah. What's wrong with your face? Mm-hmm. Oh, yeah, you gotta get in there. Oh, it's still nice out here. Mm-hmm. It's a little breezy, though. Hello, darling. Darling. Yeah, it's kind of breezy. Oh. Mm-hmm. Kind of breezy over here. Yeah, it's a little chilly, actually. Oh, my. It's kind of chilly. It is kind of chilly. I'm probably not going to stay here alone. Dang, Bruno. I know, I'm a mess. I know. I'm breaking all kinds of things. It was so nice out. I came this morning, the sun burned my face. Yeah, it was hot. It burnt you? Yeah. Yeah, it was Did hot. You tan? No, not at all. I did for a bit. She had. What was that, Chris? Did you tan? Did you tan? No. It is kind of chilly out here, though. Yeah, probably. Yeah. I have a lot of bugs outside the school. I don't like bugs. I don't like anything that crawls. You got maybe in your wings right now.
Don't do it. You said you were going to be good, and you weren't going to do this anymore. You want this? It's okay. I'm going to go in soon anyway. I'm leaving. Trying to be like... Are you leaving? Yeah, I'm leaving. Yeah, I'm going to go in soon, too. You said we're going to be good, and you're going like to behave. Just to you're going to behave hair. Yourself. Uh-huh. You're going to behave. Hey. You said we're going to be a good king and queen. Yeah, that's right. And you promise you're going to be nice. That's right. Mm. I'm cold now. Yeah. Yeah, it's kind of cold. Are we going outside? We're going to go inside. Inside. It feels good to breathe fresh air. I know, fresh air. That's why I'm staying a little bit. Mm. Are you going in? Yeah. Then pass me that jacket. Oh, yeah. I'll take it. Please? It's for you. Maybe queen. A queen, the queen doesn't say please. Okay, so the king but is only, not. Ah! You're so evil. The king. I'm not a slave, I'm a king, honey. You are the king. You said we were going to be good and rule the kingdom well. Yeah, but and you're you not are well already behaved coming for to. Me. Ugh! This is what happens when, you know, when there's no love in a relationship. You guys are too much.